C'est agréable, mais c'est très limité quand même. Ouais. C'est très difficile comme exercice d'apprivoiser un instrument en quelques secondes. Ça prend des mois, si ce n'est des années. C'est un chouette petit violon. Très clair, assez brillant, belle mise en résonance. Manque un tout petit peu de rondeur, de profondeur dans les graves. Belle corde de mi. Vous en pensez? Non, c'est un son qui est plus riche, il y a plus de résonance, il y a plus de halo sonore, il y a plus de. En termes de puissance, c'est difficile à juger parce que on est dans une acoustique assez généreuse. Je ne sais absolument pas les jouer. Mais il y a bien un tout petit peu le même reproche sur les graves, sur le grain, et le manque d'un tout petit peu de profondeur. Mais il est déjà plus intéressant et plus riche. Un instrument plus intéressant, plus puissant, plus égal, plus de résistance. Il se laisse pas faire, je ne sais pas le jouer. Pas facile à jouer, mais valeur sûre et très beau. Très brillant, assez tout petit peu trop clair pour moi. Comme instrument, c'est ça approche plus de des instruments modernes en fait, qu'on a l'habitude d'entendre. Je pense que c'est assez puissant, pas forcément très noble comme sonorité, pas très égal. Ça c'est plus rond, mais ça n'a pas de. Il n'y a pas de matière. Hein. Dès qu'on met un peu de poids, il sature immédiatement. Ça c'est bien, mais même la résonance paraît limitée, en tout cas à l'oreille.
Difficile de se prononcer. En tout cas, l'oreille, c'est un instrument qui est très clair, trop clair, qui a un tout petit peu le même son partout. Et c'est pour moi un tout petit peu cette dureté de son qui est assez difficile à éviter à arrondir avec une corde de mi qui est assez brillante mais pas très large et qui a tendance à presque faire mal aux oreilles en quelque sorte. Le type d'instrument sur lequel je suis un tout petit peu plus à l'aise. Il y a une belle corde de sol, assez riche. Quelques soucis d'émission sur la corde de sol et ré, par contre, sur les aigus, me répondent très très bien. C'est assez égal, plus intéressant, un son bien plus différent dans les registres. C'est très bien. C'est de toute manière une mission impossible parce que entre la manière de jouer, l'archer, l'instrument, c'est bon. Il faut prendre énormément de temps et c'est vraiment un grand privilège d'avoir eu la chance de toucher tous ces instruments-là. Et en même temps, encore une plus grande frustration de ne pas savoir ou pouvoir toucher au moins une partie de leur potentiel. Mais en tout cas, voilà, en quelques secondes, je pense que ça, c'est un instrument qui est, en tout cas à l'oreille, plus puissant, plus riche, plus il y a plus de densité, plus d'attaque, plus de... qui marche bien. Et puis, il y a un côté assez sans limite, c'est-à-dire qu'on peut vraiment le... Jouer avec le bois, il ne sature pas. Donc l'archet se déplace, c'est assez universel. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Ce qui, dans un premier temps, est pratique. Après, ça peut être un tout petit peu lassant, mais...